ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله أنت من خاف بك الله سبحانه وتعالى لفير سبان سيبتير سكي لدنو بان لوكاجون بان لوكاجون كالتواب أو كوموشون. إلا كاذو الحجة بكومنسي سا 10 premier jour là. C'est ça même 10 meilleurs jours de l'année, dans le sens que n'importe quelle action qu'il nous fait dans ces 10 jours-là, ça même action-là, quand nous faisons dans les autres jours, quand nous pouvons faire dans 10 jours de l'Hijja, ce tawab le plus. Nous pouvons lire le Coran dans ces 10 jours-là, nous pouvons lire le Coran en dehors de ces 10 jours-là, nous n'avons même quantité, nous n'avons même surah. Mais quand nous pouvons lire dans ces 10 premiers jours-là, ce tawab le plus. Et n'importe qui action qu'il nous peut faire pendant ces 10 premiers jours de l'Hijjah-là, ce tawab le plus, Allah subhanahu wa ta'ala, est content quand nous faisons une action. Et en vérité, quand nous pouvons de l'Hijjah, 10 premiers jours de l'Hijjah, qu'il termine avec Eid al-Adha, une occasion que un démon lui peut faire courbani, et qui sa ibadat là, les commencer, les accompagner, les terminer avec ce qu'il appelle takbir. Avec takbir. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons essayer d'anticiper le message qu'il y a derrière sa phrase qui nous prononce là, Allahu Akbar. Et en vérité, si un musulman a saisi, il réfléchit, l'implication de Allahu Akbar, le message qui sa phrase va contenir, ça suffit pour qu'il vienne un djimoun humble, le salatiala, ça suffit pour qu'il vienne un djimoun obéissant, le salatiala. Mais dire, si un djimoun arrogant, le salatiala, c'est simplement parce qu'il n'est pas compris Allahu Akbar. Si on a certains démons désobéissants au salatéra, c'est simplement parce qu'il n'est pas compris Allahu Akbar. Si vraiment nous comprenons qui veut dire Allahu Akbar, nous la vie en entier, tu peux changer, le comportement, tu peux changer, nous n'avons pas pour galoper la dunya, nous n'avons pas pour laisser dans nous une mauvaise qualité. Alors, Allahu Akbar, l'implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus grand. Dans tout ce ban sifat, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même lit le plus grand, bien plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand nous trouvons devant nous une grande créature, nous trouvons montagne, la mer, les ciels, en vérité, ça va une grande créature là, par exemple, les ciels qui a été grand, les grands, c'est une créature d'Allah. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand je voulais réaliser, mon Rab, c'est celui qui crée les ciels, mais mon Rab est beaucoup plus grand que ce qu'il crée, mais moi qui m'ont représenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous me déboutons devant Allah subhanahu wa ta'ala comme un arrogant, comme un rebelle. Je vais nous faire sajda, nous ne pouvons pas faire sajda. On connaît qui s'en a qui veut dire, on fait sa sajda là. On réalise qui s'en a
indéma nous ou bien sa sajdala, c'est pas un tel ou bien un tel, c'est celui qui lui-même lit le plus grand, lit d'un haut de nous. Ou mal au capable, révise un lot, un seul lot, qui vient depuis Allah, celui qui lit le plus grand. Donc Allah lui-même lit le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala, sauf capacité, les plus grands, sauf sagesse, les plus grands, sauf pitié, les plus grands, sauf récompense, les plus bons, les plus grands, sauf pardon, les plus grands, et sauf punition, les plus grands. Sont punitions les plus grands. Veux dire Allahu Akbar, Allah son connaissance grand, Allahu Akbar, Allah son bonté les grands, son sagesse les grands. Allahu Akbar, c'est aussi Allah son punition les grands. Alors est-ce qu'il nous peut vivre, nous permet nous la vie d'une façon qui nous pas casse la tête? Allah Rabbul Alamin, il prépare un grand punition pour celui qui désobéit à lui. Donc, à cause de qui c'est un musulman, il réfléchit dans cette phrase-là. Pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait s'y débarrasser de beaucoup de mauvaises qualités qu'il est capable d'avoir dans lui. Ou bien de mauvaises actions qu'il est capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne nous. Il ordonne nous pour qu'il nous médite l'eau se grandir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ بَلَّا زُدْنَقَفٍ estime Allah comme il mérite d'être estimé. Je pardonne grandir Allah comme il disait de ni se grandir. Et là, là, tu vas dire, qui s'en lasse à Allah, celui qui va le kafir, papa donne ni se grandir. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama. Allah, c'est celui qui sa la terre en entier pour dans son poignet la main des jours du qiyama. Et qu'il emploie tout ça dans l'échelle. Les sept échelles employées, elle emploie ça dans son lame droite. Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Allah subhanahu wa ta'ala, les purs, les loin de tout ce qui va l'associer avec lui. Donc, ça c'est un hadith qui peut montrer nous grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un autre hadith. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون لبوفجية جو قيامة الله سبحانه وتعالى لبوبلوي توبا لشيل كنا يلا تاكو برانسا دا سولا ميدرات Et il peut dire, Ana al-Malik, c'est moi qui le roi. Aina al-Jabbaroun, Aina al-Mutakabbiroun. Quand tu es un tyran, quand tu es un arrogant, quand tu es un tyran, tu es un arrogant, tu es un tyran, Ensuite, il veut dire, Fais-moi yakouil ardin abiyadihi l'ukhra. Ensuite, Allah ta'ala, il peut attraper la terre. Dans ce lot la main, tu m'as dit, Anna le Malik, Aina le Jabbaroun, Aina le Mutakafiroun. Allah t'a dit, c'est moi le roi. Côte ban arrogant, côte ban tyran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, se grandir, c'est les quoi trappe l'échelle, tous les sept l'échelle dans ce la main, les quoi trappe la terre dans ce la main, les quoi dit, c'est moi le roi. Donc, c'est un dimon. Les montent de montagne, par exemple, pas besoin de grand montagne. Nous payons une grand montagne ici dans nos pays. Si par exemple, il y a l'eau, les pousses, quand il était en bas, les poteaux ont été petites affaires. Qui représentait lui quand vous êtes lui depuis l'eau, l'échelle? Si l'eau montagne, quand vous êtes tout, comment vous perdez? À ce stade, si vous êtes où depuis l'échelle, comment vous perdez? Donc, tout ça, une créature qui est là, une créature. Ça, ce qu'il représentait là, ce qu'il nous peut représenter là, nous oser désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivre nos salatés là comme un arrogant, ou bien nous les faire lourds pour faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner-nous l'idée, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Mas samawatu sab'u bil kursi,
إلا كحلقة ملقى في أرض فلا. Les prophètes disent, cette l'échelle, quand on pense à cette l'échelle-là, avec Allah ce cours-ci, les comment dire, un bag qui nous était dans des airs. Un bag qui nous était ça dans des airs. Est-ce que tu veux qu'on regagne ça, là, lui? Les bonnes bagues qui nous étaient ça dans des airs, dans des sables, et n'a regagné là, pas pour te retrouver une façon pour aller finir ça. Il n'est pas représente, non, ni. Le prophète dit, ça va l'échelle là, en comparaison avec Allah, ce cours-ci, c'est comment dire ça, bagla d'un désir. Ensuite, le prophète dit, wa fadl al-arsh ala al-kursi, ka fadl al-fala ala tilka al-halaqa. Et le prophète dit, à ce dire, que compare kursi Allah avec arsh Allah, ce kursi là, c'est comment dire une bague. Qui ne perdit d'un désir en comparaison avec Arsh Allah. Veut dire Kursi là qui se grandit. Arsh Allah qui se grandit. Arsh Allah qui se grandit. Donc, si l'échelle, les comadiens, une bague qui ne perdit d'un désir. Quand on pense avec Kursi Allah subhanahu wa ta'ala, alors imagine où Allah subhanahu wa ta'ala se grandit. Donc, ça fait cause qu'on sera créature d'Allah. Arsh Allah, c'est une créature d'Allah. Si créature Allah autant grand, bien Allah Rabbul Alameen lui-même lui, son grandeur et son capacité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Udina li an uhadditha an malak min malaikatillah min hamalatil arsh. Allah Ta'ala, permettez-moi, raconte-je, explique-je, à propos d'un ange, parmi un ange qui peut soyer trône Allah. Un ange. Un ange. Voilà un ange qui peut soyer trône Allah. Inna ma baina shahmati udhuni ila atiqi masiratu sab'i mi'ati aam. Les prophètes disent, sa ange là, entre l'aube de ses oreilles, veut dire bout de ses oreilles, jusqu'à ses épaules. Entre bout de ses oreilles, jusqu'à ses épaules, inna un parcours de 700 bananes. Pendant 700 bonnes années, besoin voyager pour qu'il récite termine distance qu'il a entre bouts d'oreilles et les épaules de sa ange-là. Mais ange-là, lui-même, lui qui grandit. Et ça, c'est un ange qui peut être trône Allah. Trône Allah qui grandit. Allah qui grandit. Ensuite, nous vivons comme un désobéissant à Allah ou Salatiyala. Nous trouvons ça lourd pour faire sajda pour Allah. Un djimoun, si vous trouvez des fois plus belle qui ou plus haute qui ou, parfois il n'est pas encore dit à vous-même quelque chose, on finit par écouter là-haut. On finit par écouter parce qu'il n'y a pas des fois plus haute qui ou, des fois plus belle qui ou. On finit par écouter lui. On va vous dire non. Ça c'est un insan, il n'est pas représenté. Non, ni. C'est-à-dire, Allah Rabbul Alameen nous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, dans Salat, chaque bougie qui nous peut bouger, chaque mouvement, Allahu Akbar, nous, Adhan, partout nous dit Allahu Akbar. Ensuite, peine Allahu Akbar de nous l'écrire, peine à grandir Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'écrire, peine à respect comme avisant pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'écrire. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah adhina li an uhadditha an dikin qad maraqat rijlahu al-ard wa unukuhu muntatin tahta al-arsh wa huwa yaqul subhanaka ma a'azamak » Le prophète dit « Allah Ta'ala peut permettre-moi raconte-je concernant un coq qui se délipie fin transperce la terre » Se lipier dans la terre, sur la tête une courbée en bas, Arsh Allah, qui se grandir. Qui se grandir, se lipier l'eau la terre, sur la tête courbée en bas, trône Allah. Qui se grandir, le prophète dit, se dit, qui dit comme ça, qui dit qu'à l'hiver, Subhanaka ma'azama, oh Allah, tu pur, comment tu grand, oh Allah. Comment tu grand, l'iguette se grandir, l'iguette oh Allah, tu pur, tu sans défaut, comment tu grand? Allah subhanahu wa ta'ala répondit, faradda alayhi,
ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الله رب العالمين يقول نسح كوكرا لجيا celui qui fait sciemment, fausse sciemment le moi, il pas fait qu'on nous grandir. Celui qui fait fausse sciemment le moi, il pas fait qu'on le monon, il pas fait qu'on nous grandir. Vigia. Un dimon, quand il fait désobéir à Allah, impossible dans ce moment-là, il peut comprendre qu'il s'en a qu'il peut désobéir. Si nous t'y réalisons, nous peut désobéir à Allah, jamais nous sommes capables, nous pouvons avec nous faire ce qu'il nous peut faire, ou bien amène nous la vie, comment nous permet nous la vie. Nous sommes là, nous une créature d'Allah, Jibril alayhi salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui trouve lui dans son vrai corps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on trouve lui avec 600 les ailes. Avec 600 les ailes, Aïcha radiallahu anha lui dit, elle peut décrire ça lui dit, وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد أفق السماء. جبريل في الفيديو رسول الله صلى الله عليه وسلم dans son forme réelle comme elle était avec ce 600 les ailes l'in pousse finir remplir l'espace qu'il y a dans l'horizon vizir pas fait trou. Ne plus trouver l'échelle, mais trouver Jibril. Citant les grands, quand vous trouvez, vous ne pouvez pas trouver plus qu'ils sont pour. Trouver ce tout seul. L'infini, bon, tout ce qu'un monde n'a pas trouvé. Donc, ça, c'est ma créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une grosse concernant. Grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Grandir ma créature. C'était ma créature d'Allah. Ensuite, pour nous réaliser, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous guette. Quantité de ma créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Rabbul Alamin a autant de créatures, ça montre nous ce grandir. Combien de poissons il y a dans la mer, combien de djinn il y a, combien de djinn il y a. Et nous prenons l'exemple, combien d'anges il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inni ara ma la taraoun wa asma'u ma la tasma'oun. Me trouve ce que je n'ai pas trouvé, me donne ce que je n'ai pas attendu. Attatis sama wa hukka laha anta ita. Le prophète dit, ça l'échelle, il peut craquer et il y en a tout droit pour craquer. L'échelle, on va dire, il y a quelque chose lourd, il y a quelque chose qui est lourd. On va dire, je suis prêt pour craquer. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait l'échelle, il est capable de craquer si tant et une poids qui est descendue. Il dit Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah. Chaque l'espace de quatre doigts qui est dans l'échelle, chaque l'espace, quatre doigts qui est dans l'échelle, et un ange il fait un sajda. Un ange il fait un sajda. Un ange il fait un sajda. Mais tiens, ça l'échelle là. L'incouvert avec ange me fait sajda pour Allah. Avec ange qui me fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle quantité de créatures qu'Allah ta'ala a. Et quelle autre réaction envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis non. Nous faisons ça lourd pour faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi Baitul Ma'mour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une place que l'ange. Je rentre, je fais ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Ida kharaju lam ya'udu ilayhi akhira ma alayhim. Chaque jour, 70 000 anges rentrent là-dedans pour faire sajda. Chaque jour, 70 000 anges rentrent là-dedans pour faire ibadat. Quand je te rentrais, je n'ai pas réalisé tout encore. Pas réalisé tout. 70 000. Jamais dans ce la vie encore, les pourrais mille la lalle. Vé dire non, l'autre 70 000. L'autre 70 000. L'autre 70 000. Reste les mêmes comme ça. Ben, ange, une fée, ibadet. De Baitul Ma'mour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiens. Concernant Laylatul Qadr. وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. Pendant ليلة القدر, quantité ange qui est dans la terre, les plus qui quantité ban caillou, ban chip 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 chip
autant et n'a l'eau la terre Allah pendant les lettres locales. De quelle quantité de ma créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min muslimin ada akhahu illa bta'at Allah lahu 70,000 malak. N'importe qui musulman peut sortir. Il doit rendre visite son frère qui est malade. Il peut sortir sur la case. Il doit rendre visite son frère qui est malade. Allah Rabbul Alameen envoie 70 000 anges pour accompagner. Pour accompagner parce qu'il veut faire une bonne action. Il doit rendre visite son frère qui est malade. Donc, quand on regarde ce hadith là, une simple action. Un dimanche, il y a un frère musulman malade, un soeur musulman malade, il peut sortir, il peut aller, sa simple action là, là, et il y a 70 000 anges qui t'accompagnent. Mais quantité d'anges qui est là. Donc, c'est un dimanche, il réalise, le tout ça là, il vous comprend qui pas capable, nous, insane, nous autant mauvais dans ça là qui est là. Nous, quand nous l'eau pour faire ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, alors, c'est un. Un rappel concernant Allahu Akbar, qui nous tourne pour dire Allahu Akbar. Nous tourne pour content. Zénès pour dire Allahu Akbar, Bakri, il pour dire Allahu Akbar, il est pour content. Mais seulement, c'est pas si c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, quand il y en a pour vivre d'après Allahu Akbar, quand il y a tous les deux avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbul Alameen donne la compréhension. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تزوق وصلنا الخاندية الله الله رب العالمين لندم أنه بغيالي سغاندية الله سبحانه وتعالى أتغبير رسول لندم أنه كون خاندية بسيتين سبان كرياتية وكينو على خياليزي بالله رب العالمين لمن لكي خاندية اليدي لبروفيت صلى الله عليه وسلم il informe nous concernant quantité de bonnes créatures, ça l'implique, l'aide nous pour qu'il nous réalise grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre petite chose encore qui peut aider nous pour qu'il réalise grandir d'Allah. Une autre petite chose qui peut faire nous réaliser la grandeur d'Allah, c'est réaction, comportement de toute bonne créature qui est dans l'existence. Envers Allah. Qui relation les ciels et envers Allah. La terre, montagne, la mer, soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ma créature là. Allah Rabbul Alamin dit tout ça là obéissant à moi. Tout ça là peut faire sajda pour moi. Donc, on dit, les ciels peuvent faire sajda pour Allah, moi je ne peux pas faire sajda pour Allah. Un dimon dit, c'est la terre qui m'a fait dégoûter l'eau là. Il fait sajda pour Allah. Je ne peux pas gagner dans faire sajda pour Allah. Puis qui nous peut faire nous la vie? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam tara, anna Allah yasjudu lahu man fi samawati, wa man fi al-ardi, wa shamsu, wa al-qamar, wa al-nujum, wa al-jibal, wa al-shajar, wa al-dawab, wa kathirun min al-nas. Est-ce qu'il ne peut pas venir trouver que tout ce qu'il y a dans l'échelle et la terre fait sajda pour Allah? Que le soleil, ce soleil, sur la ligne, les étoiles, les montagnes, les pieds, les animaux, c'est beaucoup de gens aussi qui font sajda pour Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous que auto-insan, que grandir Allah, le soleil fait sajda pour Allah. Quand le hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit que quand je trouve le soleil fait coucher, il a fait sajda en patron Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil fait sajda pour Allah, la lune fait sajda pour Allah, les étoiles fait sajda pour Allah, l'échelle, la terre, la mer, la rivière, tout ça là fait sajda pour Allah, tout ça va le pied là, tout ça va le rose là, tout ça va les animaux là fait sajda pour Allah. Et un seul grand miché, il n'y a pas qu'à faire sajda pour Allah. Qui s'en a? Insan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, beaucoup d'insan fait, wa kathirun haqq alayhi l'adab. Mais il y en a beaucoup qui sont un adab aux autres. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire sajda. Il trouve ça lourd pour faire sajda pour celui qui crée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Celui qui a là pour déshonorer. Mais il n'y a personne qui peut honorer.
Celui qu'Allah peut déshonorer, il veut dire, les refuse faire sajda, celui qui les refuse faire sajda, Allah déshonore, c'est la personne qui peut honorer. Alors, l'important qu'un musulman, il comprend, grandir Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit, c'est un dimon, c'est un grand personne qui est, la grandeur d'Allah, fini. L'invin est un bon dimon, l'invin est un obéissant à Allah, l'invin est un dimon humble, l'invin est un dimon, comme on dit, baisser, faire, comprendre même, qu'il est bien vivre quand même, bon serviteur d'Allah, il n'a pas qu'à comprendre. Baisser, faire, il aime comprendre. Qu'il est bien soumettre à Allah, il n'a pas qu'à comprendre. Impossible. S'existe, il comprend la grandeur d'Allah. Et la grandeur d'Allah, il implique non infériorité. Qui nous est-il au salatier là? Un petit peu de l'argent, un petit peu de la force, un petit peu de l'intelligence, un petit peu de beauté, un petit peu qui nous est là, non? Pour qu'il nous tape la main de l'estomac, ou bien cause avec l'arrogance, ou bien nous vivre comme un arrogant, nous traiter les autres comme un inférieur, qui nous aide, nous? La grandeur d'Allah, il suffit pour qu'il nous corrige, nous fassions vivre au salatier. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand nous faisons taqbir, tous les jours nous faisons taqbir, tous les jours nous faisons taqbir. Comment dit-on l'état Allahu Akbar, Allahu Akbar, Adan, Allah plus grand, il va venir. Get, et quand nous, en vérité, malgré qu'on nous connaît, toutes les choses qui sont dans l'islam, pas sans une sagesse. Ce n'est pas pour nous. Adan, c'est un appel. L'objectif Adan, c'est un appel. Venez vers la masse. Il ne commence pas Hayya ala Salah. Ça, c'est la logique. La sagesse derrière Adan, c'est un appel. Ô toi, musulman, venez vers Salah. Hayya ala Salah. Mais quelle sagesse Allah? Adan ne commence pas comme ça. Il commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quatre fois Allahu Akbar, les gens ont une personne, ils terminent pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis, oh toi qui, tu ne comprends qui veut dire Allah plus grand, tu ne comprends qui veut dire Allah plus grand, mais une personne pour Allah. Et il retermine, tu ne comprends qui veut dire Allah plus grand. Et quand on, pour nous Allahu Akbar, nous l'avons ici, puis on peut baisser, nous devant une télévision, nous peut blaguer. Nous ne pas comprendre qui veut dire Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous pour qu'il nous vive comme un bon musulman. L'eau salatiyala. Akhul qawli hadha wa astaghfirullah.